voiture est pour moi un des enjeux symboliques et majeurs de l'époque, d'une époque qui a pléthore de choses, une époque qui est dans l'opulence de tout et qui se rend compte qu'on est à côté de nos nécessités véritables. Concept car, it's definitely an opportunity to expand, you know, our, you know, ideas, make a chance, you know, to change, you know, our behavior for the, you know, for our creation. Avec les équipes de Toyota, on s'est recentré sur l'idée de comment, ici et maintenant, avec des technologies appréhendables, on fait de l'innovation non technologique, c'est-à-dire on fait de l'architecture et de la scénarisation de services. Cette démarche, elle est analogue aux autres démarches que j'ai pu avoir sur le Man Cloud, l'hôtel dirigeable. C'est proche aussi du Volcano Stadium, ou les tours Life Reef qui sont, là encore, épanouissement individuel, les enjeux collectifs et retrouver cette symbiose avec le monde. Donc on est toujours dans les mêmes préoccupations. Elles se traduisent de manière différente en fonction des projets. We want to produce a car for the people and possibly we want to, you know, create something, you know, influence to their life to make it happy and not only aesthetical things. J'essayais de penser un véhicule anti-crise, une sorte de synthèse qui aille à l'essentiel de nos besoins multiples. On a besoin de plus d'adaptabilité, de plus d'intelligence, de plus de légèreté. Et puis, on ne peut plus vivre en dehors de cette question moderne et centrale. Comment essayer de recréer les conditions d'une symbiose entre nous et le monde. Et donc, j'ai profité de cette opportunité pour faire une voiture pour tous les jours, toujours prête. Une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme. Ensuite, il faut construire. Alors, on a préféré faire des choix simples et judicieux par rapport à notre époque. Se dire, bon, de la motorisation électrique, c'est légitime, c'est Toyota. Mais plutôt que de centraliser, on décentralise dans les roues. Du coup, on libère toute la voiture, de toute la mécanique. On n'a plus qu'un parquet en bambou, des batteries, et puis une structure en aluminium surmoulée de gomme pour créer les étanchéités avec tous les vitrages. Et tous les vitrages se baissent, même le pare-brise avant, ce qui permet de peut-être utiliser un peu moins la clim quand on le désire et avoir la sensation d'avoir les cheveux au vent. Et tout le reste, c'est des patchs de mousse qui sont des absorbeurs de choc. En les libérant de la couche de cosmétique et de la tôle, sur une classe B, c'est-à-dire le véhicule qu'on a fait, on fait une économie de 180 kg de matière. Pour enlever un matériau qui s'assume tel qu'il est dans notre projet et qui fait un raccourci dans la chaîne de production et dans le schéma écologique, c'est recyclable et recyclé. Du coup, on est dans la légèreté et dans des solutions contemporaines qui ne frustrent personne, qui sont au contraire de nouvelles perspectives. Ça donne une grande liberté et tout ça validé avec l'expertise Toyota, on est dans une certaine forme d'évidence. Maybe Miui is a one of an idea to solve that problem. We have a chance to maybe toast one, you know, product, you know, solve that kind of problem. I very much, you know, believe it. Je suis convaincu que dans un monde en crise, il faut substituer à une croissance quantitative une croissance qui est nécessaire à tout système vivant, qui peut s'incarner par la croissance qualitative. La croissance qualitative ne signifie pas nécessairement la qualité de la matière première par rapport à son coût, mais la pertinence de ses choix par rapport à nos projets de vie.